Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un combat en live de Coliseum. Et je suis en compagnie de Rouskov Molotov et de Sasakri Sacripit. Mais malheureusement, il ne pourra pas nous parler sur Skype parce qu'il vient de changer de PC et son adaptateur de micro ne fonctionne pas, donc il ne saura pas nous rejoindre aujourd'hui. Et je vois en face qu'il y a deux roublards, ça c'est parfait. Ça c'est génial. Par contre, je sais vraiment pas où me mettre. Je vais regarder un peu comment ça se passe. Oh, je vais me mettre là à l'arrière. Et on va faire comme on peut, hein. Donc cette fois-ci, alors en face, Roublard 157, Lord Ankorix, SRAM 183, l'explosif, et L Black, Roublard 161. Alors nous c'est Rouskov Molotov, Zobal 177 et Sacripit Sacri 142 et moi Roublard 184. Donc voilà. Ça commence bien, je baille comme un fou, là on vient de commencer le premier tour. Donc j'espère que le combat va être un peu mieux que la dernière fois parce que. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je me suis légèrement fait poun. Mais quand je vous dis vraiment légèrement, c'est rien. Je me suis fait one shot par une SRAM qui était invisible. J'ai rien compris à ma vie. Enfin, soit c'était pas trop grave. Par contre, je réfléchis ce que je vais devoir faire. Je vais donner PAPM. Ouais, PA. Non. PM et. Je vais demander. Allez, réponds vite. PAPM. Bah, va pour PAPM. Je fais une bombe à eau, une tourna-bombe sous kaboom. Et je booste la sacrée. Et je me mets hors de la ligne de vue de la bombe parce que sinon il va me foutre un. Elle a bien beaucoup de vie elle pour son niveau. Je vais leur demander s'ils ont pas full vita parce que ça me semble bizarre. Vraiment beaucoup de vie. Ah non, Miyagi. Je me disais aussi. Il joue mur avec le sacré, ça passe par contre, le SRAM va saouler. Bah ouais, je sais bien. Mais c'est chiant parce qu'ils ont beaucoup de vie, leur tourma bombe et je peux pas les taper sinon. Non, 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 et tape pas, t'es fou. Donc c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression de jouer contre moi-même en fait parce que je sais vraiment pas quoi faire. Bon là je vais foncer là. Que je réfléchisse. Ouais, attirer. Cac, cac. Mais non! Mais non! Oh. Ah ben si, j'ai rien dit, c'est parfait. Avec un peu de chance, si je fais deux bons jets, il y a moyen que je lui fasse très mal. Et Zobal pourra le finir. Ah ouais, ça je m'y attendais. Non, je vais me mettre là, je vais taper la bombe en même temps. Comme ça, elle va pas se taper deux fois, les dommages. Ouais, ça va le faire. Pour une. T'as vu le sacré, il est balèze quand même. Bah oui, j'ai jamais dit l'inverse. Donc on fait ma maîtrise battant. Putain, j'ai fait des jets de merde.
booster le zozo. Voilà, on lui laisse la ligne de vue. Et espérant qu'il va pouvoir le finir. Ce serait déjà bien. Au 10e tour de finir un combat. Putain, elle joue bien. Ouais, mais ce que je me disais. Elle est, à moins qu'il fasse la boliche, non. En tout cas, faut faire péter ce truc parce que ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais me mettre. Où est-ce que je vais me mettre? Je ne sais pas. Je crois que je vais faire des dagues boomerang, mais je suis pas sûr. Ou alors je vais taper des bombes dans le tas. Ouais, je vais taper des bombes dans le tas. Oh merde. Et c'est bien placé le double. Oh oui. Pas con ça. Je vais faire un truc, vous allez rigoler. Ce que moi je vais faire, je vais taper cette bombe là, ça va faire péter lui. Donc celle-là et celle-là. Pourquoi tu fais ça? Je vais quand même t'attirer, hein, y a pas de souci. Hein. Voilà. Toi t'es pas le bon. Et toi on te fout une bombe. Comme ça tu fais pas chier. Voilà, j'ai bien tapé le SRAM et son double. Il pensait pas que j'allais faire ça. Bon, j'ai claqué un pulsar pour rien. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu, c'est vrai que j'aurais pu aller taper au cac. Mais je pense pas que c'était nécessaire, hein. Tu me tapes pas. Là, logiquement. Non, pas logiquement. Est-ce qu'il y a moins qui passe? Non. Comment est-ce qu'il pourrait faire? Je ne sais pas. Bah. Je clins. Tape le SRAM. Ah non. Ouais, s'il le laisse là et qu'il peut pas bouger de trop, je pourrais le taper dans un mur de bombe et je pourrais commencer à lui faire mal. S'il bouge vraiment pas, ce qui m'étonnerait. Mais... il tape fort les SRAM maintenant. Hein. Sérieusement, c'est abusé. Comment est-ce que je vais faire moi? Je vais au cac? Est-ce que je vais au cac? 1200. Ou est-ce que je vais plutôt là-bas? Je sais vraiment pas quoi. J'ai tellement de trucs que je peux faire que soit je tape elle en restant à l'arrière, soit je vais vraiment au cac avec lui. Je ne sais pas. Ou je le tape dans un mur de bombes. Ouais, c'est ce que je vais faire. Lui il va retaper la sacrée dedans.
Moi, je vais me mettre là, je vais foutre ma bombe derrière, ensuite je vais me mettre là. Je vais me faire une entourloupe. C'est encore mieux. Alors, on fout la bombe là. Notre bot là. Oh merde! Bah tant pis, on fait un roublabot. Passant ainsi. Aspirateur de 1. Aspirateur de 2. Voilà. J'ai pas trop mal géré sur ce tour-ci. Et vous avez vu, je joue avec mes bombes. Waouh. C'est vrai que c'est étonnant, j'aurais bien voulu aller le taper au cac, mais j'avais pas pensé que le. Que comment? Que le roublard allait me pousser avec son roublabot. Mais là, je pense que le roublabot va aller encore le retaper dedans, ce qui serait con à mon avis, puisqu'elle aurait pu bêtement refaire un nouveau glyphe, mais. Je sais pas. Mais il va la remettre dedans. Putain, ça fait mal. Le SRAM à mort. Ouais, logiquement, il devrait finir le SRAM ainsi. Voilà. Alors, là, ça écrit. J'espère que c'est celui-là. Logiquement, ça devrait être celui-là. Non, c'est pas lui. Ta vie, mais reste pas là. Faut que là elle s'est bien placée. Ah putain, ouais, elle s'est bien mise, fait chier. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a niqué toutes mes possibilités. Alors que je réfléchisse. Si je fais des dag boomerang ici, ça tape pas trop mal, je reste à l'arrière. Et j'ai encore toute ma vie. Oui, c'est possible, moi j'ai encore toute ma vie. Et si on joue bien, il y a moyen qu'on se coque. S'il fait un beau plastron, il y a moyen. Moi qu'il la fasse péter. Non, je pense pas qu'il ait assez de PO. T'as pas assez de PO. Il est con ou quoi? Ah, il fait un dernier rush. C'est bien joué de sa part. Ça, moi je vais pouvoir l'ajuster de loin. Non! Oh putain! Est-ce que j'ai assez de PO? Donc le zozo va crever. Voilà. Et moi je vais pouvoir le finir de loin tranquillement. Putain, elle tape fort quand même pour son. Vu les stats qu'elle avait. Donc. Pour commencer, on finit lui. On finit lui. Voilà, et on peut avancer tranquillement, je pense. Il va essayer de m'ajuster de loin, mais moi je vais aller au cac directement. Tu veux faire quoi? J'ai toute ma vie, imbécile.
sais pas trop quoi faire d'autre que de taper. Il pourra pas me pousser deux cases, ça c'est sûr. Comment il a fait ça? Oh putain, la libération, j'y attendais pas. C'est pas grave, c'est bien joué. J'avoue, il m'a eu. J'ai peut-être un peu trop bourriné, mais... Franchement, je savais pas quoi faire. Ouais, c'était vrai, c'était un beau combat. Bon, ben, on va se laisser là. Hein. C'était un combat autant couleur, autant bon. Bon, je sais pas comment je vais appeler ça. C'était trois roublards dans le même combat, franchement. C'était... Je suis content de vous avoir proposé ça, même si j'ai pas beaucoup commenté, parce que je devais vachement réfléchir avant de jouer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.